T'inquiète pas, ça va aller. S'il te plaît, arrête de dire ça, je te vois regarder ta montre. T'es sûr que t'as pas besoin de mon aide? Parce que là, tu... Et toi, t'es sûr que ce truc fonctionne? Tu sais bien que oui, c'est pas mon appareil le problème, c'est le vaccin. Anti-sérum! Et je me demande juste si t'as bien calibré ton inoculateur. Mais arrête, c'est pas l'inoculateur, me mets pas ça sur le dos! Moi j'étais très bien à l'académie, planqué dans un labo en sécurité! Mais toi tu voulais de l'action, donc tu nous as traînés dans cet avion de dingue! On a même pas passé nos tests d'aptitude au terrain, nom de Dieu! Oh, je t'en prie, je crois pas t'avoir mis un couteau sous la gorge pour que tu me suives! Tu as dit, et là je te cite... Oh, Fitz, c'est l'occasion rêvée pour nous de pouvoir parcourir le monde. On serait fous de la laisser passer. Je déteste quand tu prends cette voix, je parle pas du tout comme ça. Et t'avais juste la trouille d'aller sur le terrain. J'avais pas la trouille. Et ose me dire que ces derniers mois n'ont pas été les meilleurs de ta vie de reclus. De reclus? Oh, vraiment? Très bien, et je peux savoir depuis quand t'adores être sur le terrain? Parce que si mes souvenirs sont bons, t'as passé chaque minute de chaque jour près de moi dans un labo. À l'académie, à Science Hubs, dans cet avion. T'étais près de moi dans tous les labos où on est passé. Il faut que tu trouves une solution. Je sais pas comment faire. Les anticorps prélevés sur les trois pompiers sont pas assez forts pour combattre le virus. N'oublie pas qu'il provient d'un ADN alien. Personne ne peut réussir à créer l'antisérum correspondant. Parce que personne n'a réussi à survivre au virus, mis à part... Le Chitori. Le petit salopard qui portait le masque trouvé par les pompiers avait le virus. Il s'est débrouillé pour survivre sans émettre la moindre impulsion parce que... Il était immunisé? Oui! Elle était... porteur sain du virus, rien de plus! Comme Typhoid Mary! Elle? Mais non, attends, non. Me dis pas que tu penses que le Chitori... Ok, non, aucune importance. Donc si j'arrive à prélever des cellules épithéliales à l'intérieur du casque, on peut créer un vaccin? Oui! Un antisérum, mais oui. Est-ce que c'est... Non, hé hey! Tu peux pas entrer ici! Trop tard, c'est fait. Essaye juste de garder tes mains loin de moi, d'accord? Fitz, je sais pas ce que tu penses faire, mais... Je fais ce qu'on fait toujours. On va trouver une solution. Tous les deux.